Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Meta. On va parler des guerriers aspects Eldar. Bienvenue dans la Wargame Room. Warhammer Community nous donne quelques informations concernant les guerriers aspects Eldar. Tout d'abord, le fait qu'ils aient une sauvegarde d'armure invulnérable à 5. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va concerner donc les guerriers aspects qui sont les banshees. Euh, les euh, araignées spectrales, les dragons de feu, les faucheurs noirs, les scorpions ou encore les aigles chasseurs et même les vengeurs. Donc ça, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, à savoir que les vengeurs maintenant passent élite puisque ce sont des guerriers aspects, ils rejoignent leurs petits copains, on ne peut plus les prendre en troupes. D'ailleurs, en parlant de vengeurs, leur arme a... Elle aussi évoluée. On est sur un assaut 3 de force 4, PA-2, dégâts 1 en arme Shuriken avec une portée de 18. Donc ça veut dire que sur les 6, on va améliorer la pénétration d'armure de 2. Donc on est sur un tir supplémentaire que la catapulte Eldar de base. Une PA euh, supplémentaire aussi de 1. Et, euh, et mine de rien, quand on commence à faire des paquets de 10, bah ça fait 30 tirs. Euh, C'est plutôt, plutôt sympa. On a une portée de 18 comme euh, la catapulte des gardiens. Euh, avant ils avaient eux une portée de 18 et les gardiens une portée de 12 bah, les gardiens se sont calés sur eux on n'aura pas cette portée de 24 qu'on a pu on a pu se dire que ça allait arriver vu qu'on a vu les gardiens augmenter leur portée mais non on n'aura pas euh, par contre, je trouve que l'arme est quand même euh, pas déconnante, surtout euh, avec les 6. On risque de faire, euh, de faire mine de rien, des trous lorsqu'on va jouer des, des gros effectifs. Et même à 5 figurines, ça fait quand même 15 tirs. Donc c'est euh, pas, pas trop mal. On passe surtout sur les, sur les dragons de feu. Les dragons de feu, euh, ils ont une endurance de 4. C'est assez, euh, assez ouf pour de l'eldar. Alors je ne sais pas si ça va concerner les autres guerriers Asp Apparemment non, puisqu'ils parlent sur Armor Community que ça va être pour les, les dragons de feu. Euh, maintenant, une endurance de 4 sur de l'Eldar, euh, bah on prend. Enfin, euh, euh, je trouve que ça va être. ça va être même super fort, euh, il me semble, euh, à mon sens, en tout cas. Ça doit être, ça doit être euh, grâce à leur armure, qui est une armure spéciale, mais bon, tous les guerriers Eldar euh, aspect en tout cas ont une armure améliorée, normalement à 3, donc est-ce que du coup ils vont avoir une sauvegarde qu'à 4, et ils vont juste avoir une meilleure endurance? Je ne sais pas, ça sera vérifié sur les, sur leur data sheet. Pour l'arme, par contre, il me semble qu'avant on était sur une force de 8 avec un dégât des 6. Là, maintenant on est sur une force de 9, toujours PA-4 avec un dégât des 6 plus 2. Toujours une portée de 12 en assaut 1. Euh, cette arme est vraiment bien dans le sens où elle va très bien blesser les véhicules et les monstres puisqu'on aura un, une reroll de 1 à la blessure sur ces derniers. Le dégât D6 plus 2 est très fiable euh, parce que le D6 on était dégoûté à chaque fois de lâcher son 1. Bah là au pire on lâche son 1, bah on fera quand même 3 dégâts et ça c'est bien qu'il l'ait rajouté dans le profil de l'arme. On termine avec les araignées spectrales. On a la comparaison entre leur nouvelle et leur ancienne arme. On se rend compte qu'on va avoir beaucoup plus de saturation et qu'on va même avoir de la pénétration d'armure. Je pense que cette arme va être vraiment forte. Enfin, cette unité va être forte. Dommage qu'elle ait pas été retapée par Games. Mais bon, on s'en contentera. On passe maintenant sur un assaut D6, qui est une arme à déflagration, qui sera de force 6. On adore ce palier de force 6. Avec une pénétration d'armure de moins 2. Portée 12 l'unité d'araignée spectrale est une armée est une unité aéroportée la portée 12 n'est pas vraiment dérangeante euh, par contre c'est assez ouf que ça soit déflagration quand on est euh, bah, quand on est une arme à, en plus à d 6 euh, ça veut dire qu'on va pouvoir fiabiliser avec un minimum de 3 dans les unités de 6 ou à 10 figurines et, euh, et fiabiliser à 6 avec euh, une des unités à, à plus gros effectif que 11 et ça c'est je trouve ultra fort ça va, être, ça, va être, ça va être quelque chose. C'est vraiment dommage encore une fois que les, les guerriers aspect euh, araignée spectrale n'aient pas été retapés euh, par Games Workshop. Peut-être qu'on en aura la surprise, j'y crois peu maintenant, parce que souvent on, on, on aurait vu des leaks et on n'en a pas vu euh, les concernants, Donc je pense que ça va nous passer sous le nez. Donc cette refonte d'armes mine de rien, me laisse un petit peu amer, puisque bah on n'est pas dans de la refonte d'armée complète comme on a pu avoir avec la sœur de bataille par exemple. Mais bon, euh, l'avenir me dira, euh, me donnera peut-être tort. J'espère vraiment qu'ils vont vite tout retaper, euh, parce que vraiment, il y a beaucoup de figurines à reprendre dans cette gamme. Voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur Tipeee, faire un don. Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. A bientôt dans la Wargame Room.